Et bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien avec ce confinement qui commence à être un petit peu pesant. Voilà, donc ben, je suis sur ma terrasse. Et voilà, alors je ne sais pas qui c'est qui me suit sur Facebook ou pas. Donc je suppose qu'il y en a qui sont peut-être pas au courant, mais bon, ben voilà, j'ai été bien malade. Ben, j'ai été diagnostiqué avec le virus. Bon, je vous rassure, hein, depuis quelques jours, tout va beaucoup mieux. Et donc, ben, évidemment, pas de sortie détection, hein, étant confiné, comme tout le monde. En plus, en ayant été malade, ben, pas de sortie, rien du tout, hein. Donc, ben, j'ai décidé de vous sortir une vidéo que je ne voulais pas sortir à l'époque. C'est une vidéo qui a été tournée au mois de décembre, il me semble, ou janvier, je ne sais plus, avec Aurélie. C'est une petite vidéo, c'est pas très long, elle doit faire une petite dizaine de minutes, même pas. Sur le coup, j'ai pas trouvé intéressant de la sortir. Donc, ben, je vous ai fait un petit montage et je vais vous le mettre à la suite de ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà, parce que j'aurais voulu vous présenter quelques nouvelles chaînes YouTube, voilà, qui sont assez sympathiques. Voilà. Donc, je vais vous donner les noms, je vais vous les marquer sur la vidéo et vous aurez le lien dans le descriptif en dessous. Voilà, donc déjà il y a la chaîne de YouTube, donc de Déter et Détection. Voilà, qui a aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle Détection, Loisirs et Passions. Franchement, ce groupe, si vous voulez y adhérer, vous pouvez y aller. Super ambiance. Franchement, on passe des bons moments sur ce groupe. C'est un groupe que j'ai beaucoup aimé, donc je voulais vous le conseiller. Donc tout ça, ce sera donc marqué dans le descriptif en bas. En autre chaîne que j'ai trouvé sympathique, il y a eu Flow Détection 86. Voilà, une petite chaîne bien sympathique aussi. Voilà. Évidemment, je voulais aussi parler d'une chaîne qui monte doucement, mais pas assez à mon goût. Voilà. Donc c'est mon poteau maintenant, même si on ne s'est jamais rencontré, on se contacte souvent sur YouTube, c'est Guigui, c'est la Guille Addictive Passion. Voilà. Je vous invite à aller voir sa chaîne parce qu'elle est vraiment très sympathique et Guillaume est vraiment quelqu'un d'adorable. Voilà. Ensuite, une autre chaîne que je voulais vous parler, c'est Fab Détection 86. Voilà, donc il y a Flow Détection en premier que je vous ai parlé. Et là, c'est Fab Détection 86, dans le même département. Pareil, chaîne très sympathique. Voilà, donc je vous invite à aller la voir. Et la dernière que je voulais vous parler, c'est Benoît Détection 60. Voilà, une chaîne bien sympathique aussi, qui existe depuis pas très longtemps. Donc, ben, vu qu'on est confinés et qu'on s'ennuie tous à la maison, si vous voulez regarder des vidéos détection, je vous invite à aller voir ces chaînes. Voilà, je vous rappelle encore une fois, les liens seront dans le descriptif en dessous. Voilà les amis, je vous laisse regarder ce petit bout de vidéo que j'ai tourné donc il y a quelques mois avec Aurélie. Que j'ai appelé la sortie oubliée d'Aurélie. Voilà, donc bah, écoutez les amis, bon visionnage et je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao! Heading downtown, bracing 40. Heading downtown, bracing 40. Serving papers in my hand. Serving papers in my hand. Allez, en direct. Voilà, tu es dessus. Tu es dessus. Là, je creuse là. Voilà, ouais, c'est ça.
Allez, c'est par là. Premier bon son, on va dire. Alors fais attention parce que quand t'as le couteau à côté, ça va sonner. Hein. Voilà. T'es encore dans le trou. Tu vois, c'est un indice de profondeur, il te dit quoi? La surface. Voilà, donc tu prends ton pinpointer. Et là, tu passes ton pinpointer pour voir si déjà tu le captes avec ton pinpointer. Et moi, je le vois. Voilà. C'est de la lue. C'est la verlue. Un tube de peinture. Voilà, un tube de peinture ou d'antifrice ou de quoi que ce soit. Voilà. Mais tu vois, ça sonne bien. Ouais. T'as vu ? Et c'est la lue. Voilà. Allez, c'était pas bon. On continue. Alors, les amis, j'entends mon nez. Donc, on va voir ça. C'est approché. Ah oui. Oh. Joli pavé. Ouais, mais léger. Ah, c'est de la lue. Tu crois ? Oh, ben, c'est des chances. Hein. Entre. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, première monnaie. Tiens, je peux pas désespérer. Je vois pas grand-chose, mais c'est 5 francs. Ah, je crois que je l'ai pas, celle-là. 5 francs, mais en quoi, je sais pas, je vois pas bien. Avec mes yeux, de toute façon. On peut brosser, non, là, mais tu, on peut brosser un peu. Tu peux t'amuser à la brosser un petit peu, si tu veux. Mais c'est 5 francs, j'ai mis. Ah, elle est jolie. Elle est un peu cacaberque, mais tu vois la date ? Tu vois la date ? C'est pas très vieux, hein, je pense pas. 1951. Ouais, voilà, tu vois ce que j'allais te dire, c'est pas très très vieux. Mais je l'avais passé, hein. Ma petite collection. On a rien. On a eu un argent que tu avais dit, c'est un argent. Ouais. Non, elle n'est pas d'argent, sinon elle brillerait. Ouais, elle brillerait, ouais, c'est propre. Ouais. Là, elle est toute verte. Ouais, c'est sûr, c'est 5 francs. Non, 50 francs. 50 francs ? 50. 5,15 euros. Alors, est-ce qu'il y a une coque à côté ? Moi, je vois pas de coque. Non, je vois pas, je me rappelle plus les dates que c'était, les frais, les 50 francs coque. Je sais pas. 50 francs, écoutez les amis, on vous la nettoie et on vous la met en photo. Allez. On continue. Ah, tu vois, alors les amis, un petit trou là. Et avec le quest, donc c'est Stéphane qui nous fait qui l'a trouvé. Et elle est là. On ne sait pas ce que c'est encore. Mais c'est une monnaie. Et c'est une Lindauer. Voilà. Tu connais pas ces monnaies? Alors je pense que c'est une 25 centimes. Je pense que c'est une 25 centimes, vu la grosseur. Je vois pas bien. J'y vois pas bien. Si tu vois, toi. 10 centimes. 10 centimes. J'ai fait que 10 centimes. Voilà. La date. 1931-1934. Voilà, donc une Lindauer de 1931. 31. 31-34. Hein. Bon, on verra ça au nettoyage, c'est pas bien grave. La deuxième, je fais ici. Voilà. Embarque. Donc une petite Lindauer. Voilà, c'est sympa comme trouvaille ça. Tout à fait. Allez. Alors, un petit son. Pas vraiment franc, mais bon, qui se creuse. C'est des racines. Ça va être de la lue. C'est pas franc quand même. Non, c'est pas franc, mais ça a été quand même que je creuse quand même. Ouais, c'est pas franc. Mmh. Ah, c'est sorti. Il me dit 4, mais bon. Si tu étais à côté, Maï. Bah, j'ai creusé là, vraiment. Et tu étais à côté. Alors, qu'est-ce que ça sent là ? Ah, j'ai que... Ah. Oh, ouais, ça sent la merdasse. Ah ouais. Je ne trouve même pas la merdasse.
Ah ben comme tout à l'heure. Eh ben encore arrivé. Ouais, encore arrivé. Un petit rivet. Bon mais voilà, c'était à lui. Allez. Alors les amis, un petit saut sympathique. Alors c'est pas loin. C'est sorti à mon avis. Bon. Si je pense ça. Oh. Ah, une attache de corset. Ah, une attache de corset. Ah ben ouais. Ouh, et puis elle est pas jeune celle-là. Ouais, une petite accroche de corset. Sympathique. Ouais. Ouais, c'est toujours sympathique à trouver ça. Ça change des morceaux d'alu. Ça change des morceaux d'alu. C'est ça. Allez. Alors les amis, un petit son. Alors qu'est-ce que c'est? Ah ouais. C'est une petite roue. Mais qu'est-ce que c'est ça? Une idée. Un petit robinet, je pense, peut-être. Un petit banc de voiture. Ouais, je sais pas ce que c'est. On dirait ou une roue de quelque chose. Ouais. Il y a un truc au milieu quand même. Ouais. Attends, je vais reboucher ça. Ouais. Qu'est-ce que une c'est? Une petite roue, je sais pas ce que c'est. Ouais. Je passe un robinet. Mais... Ouais, peut-être un robinet ou une roue de. De la machine agricole, hein. Non, non, machine agricole, non, moi je pense plutôt que c'est une déco, c'est une roue de quelque chose, ou d'une brouette, ou. C'est bizarre, je sais pas. Écoutez les amis, si quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être, ben n'hésitez pas dans les commentaires, voilà. Merci. Ça nous fera plaisir. Merci, merci. Allez, go. Voilà les amis, un petit sonde avec un petit trou d'Aurélie. Voilà, et c'est sorti, c'est là. Voilà, juste là. Donc je sais pas, elle est abonnée aux roues aujourd'hui, Aurélie. Voilà, je sais pas ce que c'est joli, c'est du bronze, c'est du laiton, non? On dirait du laiton. Voilà. C'est pas les mêmes. Oh non, c'est pas les mêmes. Elle le fait dans la roue aujourd'hui. Bon, mais ça a l'air tout joli, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc pareil, si vous avez une idée, les amis, ben n'hésitez pas. Voilà, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, ça donne. Merci. Allez.